Et bonjour à tous, c'est Nortar. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Wizard Simulator. Aujourd'hui, je tiens à vous dire déjà, avant de commencer l'épisode, que je tiens à vous dire tout simplement que, mais déjà, je vous remercie beaucoup pour votre patience. C'est que déjà, j'ai des choses à vous expliquer. C'est qu'en fait, j'étais fatigué, donc j'avais besoin d'une petite pause. De deux, bah en fait, c'est que j'étais très occupé, donc je ne pouvais pas vraiment tourner de vidéo. Donc de trois, je vous remercie pour votre patience. Donc du coup, j'ai fait un sondage il y a aujourd'hui. En vous proposant trois choix de vidéos pour continuer la série après que le mode pack pour après continuera, en attendant que j'aurai fini tout ce qui est du mode pack Advanced Attack of All Times. Du coup, vous avez choisi Wizard Simulator. Évidemment, je tourne cette vidéo là en premier. Évidemment, je ferai la Assassin's Creed en deuxième. Donc voilà. Merci d'être patient. Donc en étant patient, on obtient des affaires. Mais bon. Alors là, vous entendez peut-être sûrement mon ventilateur tourner. C'est parce que il fait très chaud. C'est parce qu'en fait, il fait chaud en ce moment. Il fait vraiment très chaud. Il fait 34 degrés pour l'instant. Donc du coup, allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, j'ai avancé un petit peu. Donc du coup, soyons malins. Je ne peux pas le faire pour tout de suite. Donc du coup, on va essayer de faire impossible sans fourmis. Ok, on va tout de même aller recommencer par récolter les 26 millions de pollen nécessaires pour compléter pour les 50 millions. Donc du coup, ça va me permettre de vous dire pourquoi est-ce que j'étais occupé. C'est parce qu'en fait, quand je dis occupé, c'est qu'en fait, il fallait que je me concentre sur certaines choses et donc du coup, j'avais pas vraiment le temps de tourner certaines vidéos. Donc du coup, j'ai dû repousser le tournage de certaines des vidéos à peu près plus tard. Mais bon, mais je vous en remercie quand même beaucoup pour votre patience. Car évidemment, vous attendiez à une vidéo par semaine. Mais en vrai, vaut mieux que je sorte les vidéos sur ce long en prenant mon temps. Parce qu'en fait, l'avantage c'est qu'en prenant mon temps, si je prends mon temps de sortir les vidéos comme je peux, bah en fait, l'avantage c'est que vous aurez du contenu régulier. Je dis pas le contraire, mais ce sera pas 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc dès que je peux tourner une vidéo et ensuite la publier, je le ferai. Voilà. Là-dessus, j'espère quand même que vous allez bien. Moi, honnêtement, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré. Donc du coup, je tiens à vous poser une question. Pour le mode pack avant cette Attack of All Time, du coup, il sortira quand je l'aurai envoyé à être publié pour Curseforge. Du coup, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous voudriez pas que je fasse des vidéos solutions pour certaines quêtes du mode pack? Car il faut savoir que pour certains qui ne sont pas très débrouillards en anglais, parce que oui, j'ai mis des descriptions sur les quêtes pour pouvoir, en anglais, pour pouvoir dire comment faire certaines quêtes, parce que certaines choses de certains modes sont parfois pas compréhensibles. Donc du coup, voilà. Donc du coup, est-ce que vous voudriez ou pas que je, oui ou non, que je fasse des vidéos de solutions? Si vous voulez. Mais voilà. Donc du coup, c'est déjà pourquoi est-ce que j'étais très occupé en attendant et pourquoi j'ai pas pu tourner des vidéos. Parce que déjà j'étais en train de travailler sur le modpack. Ça a pris pas mal de temps. Mais bon. Mais là, je suis de retour. Donc du coup, c'est bon. Donc du coup, évidemment, j'espère que vous allez très bien, parce que moi je vais très bien en ce moment. Du coup, on avait bien.
Et du coup, ouais, j'ai pas vraiment avancé. Mais j'ai avancé. Ah si, j'ai avancé un petit peu. Je me souviens que j'ai avancé un petit peu hors caméra. Du coup, hors caméra. Entre temps, du coup, évidemment, j'ai préparé ce qui était nécessaire. Évidemment, j'ai préparé aussi ce qui était nécessaire à faire pour les certaines quêtes. Donc, du coup, sachez que. Ah, attendez. Sachez que je pense qu'on serait. Je pense qu'on serait peut-être prêt. Attends. Parce qu'on va aller voir les abeilles. Lesquelles est-ce qui serait proche de niveau supérieur en vrai, on n'a pas vraiment d'abeilles. En vrai, ça peut prendre. Je pense que la quête vers les étoiles, ça va prendre très long avant de... Ça prend, je pense, que ça va prendre un peu de temps avant, quand même, avant que ça soit qu'on puisse la finir. Mais on va faire comme ça. Donc du coup, évidemment, je vous préviens tout de même. Du coup, je vous ai quand même pendant ce temps-là tenu au courant avec des posts que j'ai sortis sur la chaîne pour vous mettre au courant de ce qui se passait. Donc du coup, ça. Mais quand même, je vais essayer de sortir les vidéos à partir de maintenant. Dès que j'ai le temps de tourner une vidéo et dès que je peux la publier, je le ferai. Mais je pense que je vais probablement à partir de maintenant programmer la sortie des vidéos pour ne... parce que si jamais je pars quelque part et que je n'ai pas le temps de revenir pour la publier, bah, au moins la vidéo sortira sous une avec une heure programmée pour la sortie. Du coup, voilà. C'est ça. Donc du coup, je voulais vous en parler de ça. Donc du coup, j'espère que ce genre de choses que je ferai sera quand même assez correct pour vous. Mais en vrai, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que pour moi, ça pourrait me sauver du temps. Quand même. Mais bon. Donc du coup, il y a aussi, j'ai d'autres projets de, mais j'ai aussi d'autres idées de séries qu'on pourrait faire. Mais après, on va déjà se concentrer sur Business Simulator et on va aussi se concentrer déjà sur Assassin's Creed Valhalla. On va continuer déjà d'abord, hein, parce que quand même, allez c'est bon, le roi des scarabées, c'est bon. Sachez que j'ai décidé par contre de ne pas ajouter au mode pack avant Attack of All Times. J'ai décidé de ne pas ajouter Chisel and Beats. Pourquoi le mode Chisel and Beats? Pourquoi non? Le mode Chisel ça va, le Chisel ça va. Pour les blocs, pour les modifier, ça va. Mais Chisel and Beats, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, si vous chiselez des blocs qui ne sont pas des blocs vanilla, genre par exemple, un des casines de Create, et j'en ai fait quelque chose, et j'en ai utilisé des pixels de ce bloc-là pour faire certaines choses, bah, si jamais il y a une mise à jour du mode pack ou un ajout de bot, ça casse tout. Donc voilà, c'est juste pour ça. D'ailleurs, il y a une idée de vidéo que j'ai qui serait bien, c'est est-ce que vous voudriez qu'on fasse sur le jeu Dungeon Quest. Ah bah alors ça, mais pas n'importe lesquels, mais pas n'importe quelle vidéo, non, ce serait de montrer les différentes armures divines, des niveaux divins de guerriers et de mages. Et de mages, pourquoi? Parce que c'est aussi avec les armes légendaires. Alors je vous préviens, il me reste encore quelques objets, quelques morceaux des armes, de quelques armures à récupérer. Mais bon, après, il y a aussi quelques armes légendaires à récupérer. Mais après, de toute façon, ça, les taux de drop sont tellement fixés, sont tellement petits. Donc voilà, il va falloir que je prenne un peu plus de temps. Donc voilà, je prendrai le temps, en tout cas, la semaine prochaine pour les farmer. Mais bon, ça va dépendre de ma chance. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que quand même... donc du coup on va
On va continuer à récolter du pollen, mais pas dans ce champ-là. On va plutôt aller. Ouais, ça. Ok. D'accord. Je sais même pas c'est quoi. En vrai, je sais pas c'est quoi. Vraiment. Je sais pas c'est quoi. Donc du coup, allez, c'est parti. On va faire nos fourmis. On va faire nos fourmis. On va aller récolter le pollen dans le champ des fourmis. Du coup, allez, c'est parti. Ok, du coup, c'est bon. Du coup, j'avais signalisé mon personnage. Du coup, comme ça, je peux revenir au spawn. Donc du coup, les 2 500 000 de pollen, c'est déjà fait. Donc, on a combien de royal jelly? On en a que 18. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand même. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de quêtes en vrai qu'on peut finir. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de quêtes qu'on peut faire pour l'instant. Mais ça va. Donc du coup, je vais... vous dire... que il y a maintenant quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vu que durant les vacances, vu que je vais pouvoir avoir plus de temps pour faire des vidéos, en vrai ça va m'être très utile. Pourquoi? Parce que je pourrais tourner plus de vidéos. Mais le jeudi et le vendredi, je ne pourrais pas vraiment. Pourquoi? Parce que je vais être en train de bosser le jeudi et le vendredi. Donc je n'aurai que le lundi, le mardi et le mercredi pour vous sortir, pour vous tourner les vidéos et vous les sortir. Vous envoyez le email de la programmation des sorties des vidéos. Donc du coup, j'espère que j'essaierai de vous faire... évidemment de faire le plus de vidéos possible si vous voulez, si c'est possible. Dès que je peux faire des vidéos, je les ferai. Donc voilà, du coup là dessus bah on va continuer ça. Alors du coup, ah ouais, on est proche d'avoir le badge maître et finir le badge as, hein, comme on va le faire ensemble. Donc du coup, si vous avez vu, alors pour ce qui est de la série annoncée Attack of All Times bêta test, alors en fait je ne vais pas vraiment la continuer. Pourquoi? Parce que en vrai vaut mieux que je sors le mode pack dès que possible, comme ça vous pourrez tous y jouer. D'ailleurs, parlant du mode pack, sachez que c'est mon premier mode, enfin mon premier mode pack que je mettrai en public, que je enverrai en public. Donc, en vrai, j'espère que l'expérience vous sera intéressante. Et si vous avez des problèmes, et d'ailleurs, j'ai pas mal testé tout ce qu'il y avait dans le mode pack, il n'y a pas de problème. Je dirais 89%. Et je dirais environ 90% des choses qui sont correctes. Mais 10% des choses qui sont à surveiller quand même. Mais bon. Du coup, c'est pas grave. Alors, du coup, on va évidemment. Donc du coup, il y a aussi autre chose. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires à voter, à dire quelle sera la prochaine abeille que vous voudriez que l'on achète à 500 tickets. Parce qu'en vrai, je crois qu'on a la... Je sais plus quelle abeille on a. On a l'abeille chien, on a l'abeille photonique, on a l'abeille festive aussi. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, dans les commentaires, quelle abeille vous voudriez qu'on achète. Parce que honnêtement... moi, je fais selon les choix de la communauté. Donc, de ma communauté. Donc, voilà. C'est très bien. Pourquoi je fais selon les choix de ma communauté? Pour voir comment ça se passe au fur et à mesure. Eh oui. Eh oui, je suis comme ça. Eh ouais, je suis comme ça, moi. Littéralement. Donc, du coup, évidemment, Bon, après. En même temps. C'est ça. Mais,
Mais en vrai, c'est pas que je suis fatigué en ce moment, c'est juste qu'il fait chaud. Après, quand je vais vous dire un truc, en vrai, j'étais au terminus. Et du coup, j'ai regardé à un moment donné sur Météo Média quel météo il était. Et ça disait que ça affichait en ce moment qu'il faisait 28 degrés, 34 degrés ressenti. Et il fait soleil. Donc, on comprend qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'allumer le ventilateur. Mais bon. Donc, du coup, est-ce qu'on est pas. Ah ouais, ça manque quand même 22 millions. Ouais. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à proposer vos idées des vidéos qu'on pourrait faire sur la chaîne. Aussi sur quel jeu vous voudriez que l'on fasse une série. Parce qu'honnêtement moi ça me ferait plaisir de voir quels seraient vos choix. Et donc je noterai sur un noterai vos idées que vous auriez mis en commentaire et du coup bah après dès qu'on aura dès que j'aurai le temps après de toute façon je dis bien après que j'aurai quand j'aurai le temps parce qu'en fait il y en a déjà je compte continuer Buisson Simulator et aussi après Assassin's Creed Valhalla donc voilà après qu'on aura fini ça cette série là après qu'on aura fini une des deux séries, je prendrai une série, un des choix au hasard que j'aurai noté, un des choix au hasard parmi tous ceux que j'aurai noté dans les commentaires et du coup de cette vidéo et du coup de la vidéo et du coup après je choisirai un choix au hasard. Mais par contre, je vous préviens, il faut pas que le jeu coûte trop cher. Pas vraiment que le jeu coûte trop cher. Il faut qu'il soit un prix abordable aussi. Mais je tiens à préciser que la plupart des vidéos que je fais pour l'instant sont sur PC. Je les fais sur un ordinateur. Donc voilà. J'ai pas de console chez moi. Voilà. Mais bon. Donc du coup. Allez. Et donc du coup. En vrai, ça va, mais... En vrai... Vous savez quoi, je pense qu'on va s'ajouter un objectif de miel qui sera d'atteindre les 100 milliards de miel. Bah, après... Non, on va se donner un objectif... Non, je pense que c'est un peu trop. Bah après, quoi que les millions, on les fait facilement, donc... on les fait tellement rapidement, donc on les fait assez facilement. Donc je pense qu'on va plutôt, on va donner un objectif d'atteindre les 50 milliards de miel. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, ce sera un peu moins overkill. Donc voilà. Donc, du coup, alors. Je vais en attendant vous montrer sur quoi j'ai avancé sur le modpack. Donc oui je pourrais faire ça. Mais bon. L'essence même de la vidéo c'est Buisson Simulator pour l'instant. Donc voilà. Je vais pas vous faire ça. Mais bon. Parce que sinon ça n'aurait plus rapport avec le titre de la vidéo. Donc voilà. Mais bon. Quand même. Tout de même. Mais bon. Donc du coup, je vais faire une petite ellipse. J'attends que j'ai fini la quête. Et impossible sans fourmis. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Ok, du coup, les amis. Attendez, il faut juste genre mettre la musique. Okay. Donc du coup, j'ai pu fabriquer... Donc je crois qu'on va utiliser 7 quêtes pour terminer la quête. Donc du coup, soyons malins. Donc du coup... je sais que je prends beaucoup de temps. Alors, je tiens à dire que cette partie-là de la vidéo est enregistrée suite à l'événement The Classic Roblox qui vient qui est arrivé d'ailleurs. Je pense qu'on peut le voir. Hein, il y a des blocs un peu partout. Du coup, c'est parce qu'en fait, je peux pas tout faire en un truc, mais bon. Alors, passe-nous à 24 épisodes d'abeilles. Blablabla.
puis voilà, 25%. C'est la Twitter, ouais. Oh, il nous a donné une paillette à avoir. Alors ça, c'est très bien. Du coup, Understanding Machine. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Langage limité. Alors, donc, voici un type d'abeille. Page sur quoi? Virtuose. 25 jetons de récupérateur, ça c'est les trucs pour regrouper. 5 millions dans le champ de pissenlit. 50 ingrédients avec le mixage. 50 fourmis. Bon, en vrai, ça peut se faire. Allez. Donc, alors je vous retrouve en plein petit farm pour en train de faire la quête. Abeille 15. Là je me pose la question. En vrai, est-ce que je ferais mieux de tester le mode pack par moi-même de A à Z, c'est-à-dire d'avoir fait toutes les quêtes? Et en vrai, je pense que c'est une bonne idée. En vrai, pourquoi? Parce que déjà, je pourrais voir à quel point est-ce qu'il est correct. Et de deux, bah déjà ce serait mieux, parce que quand même, je veux bien là, en faire un, en créer un, mais après, si tout va ne va pas bien, bah il faut voir, hein. Il faut voir ça, ici. Hein. De toute façon, après, j'ai déjà créé un. De toute façon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai créé un nouveau monde. En fait, qui est pour après que pour commencer à essayer le mode pack par moi-même au complet, plus tard de faire toutes les quêtes de A à Z. Donc du coup, ça c'est bien. Par contre, sachez que la version finale, il se peut que je mette toutes les quêtes de chacun. Il y a un truc que faut que je vous dise. C'est que pour débloquer le UDD d'une section 4, en fait, il faut avoir réussi la quête qui est reliée à la quête qui est reliée pour donc là c'est la condition à avoir fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y en a certains. Certaines sections de quêtes, ce sera sûrement les quêtes les plus. Qui seront les quêtes de fin. Donc voilà. Donc, par exemple, Astral Sorcery, il faudra. En gros, faire tous les 4 derniers items à crafter avec le Iridescence Alta. Donc, admettons que c'est un exemple. Voilà, si je l'ai fait les 4, je peux débloquer le UDD de Astra Sorcery avec le numéro qui va avec. Donc, et voilà. Et c'est en faisant ça, en les validant tous, qu'on peut débloquer la section Creative Quest dans mon modpack. Donc, ça sera comme ça pour le mien. D'ailleurs, sachez que si vous modifiez quoi que ce soit dans mon modpack, quand vous le téléchargerez, si vous le modifiez quoi que ce soit, ça ne devient plus du tout mon modpack. Plutôt mon modpack après. Voilà. Alors j'ai rajouté quelques crafts avec psy. Oui, psy, je sais que c'est pas du tout sur Minecraft. Je sais que le mode psy il est pas du tout. Il est pas tant que ça. Comment pourrais-je dire ça? Il est pas. Disons que oui, je sais même s'il est pas du tout assez compréhensif que ça et pas tant que ça intuitif. C'est pas grave. En vrai, pour pas mal de modes avec des quêtes, ce que je ferai, c'est que je mettrai du texte pour. J'ai mis une partie du texte pour certaines des quêtes, mais en vrai, certaines quêtes, je ferai. En vrai, ce que je ferais pour certaines quêtes, c'est que de certains modes sont pas tant que ça compréhensifs et intuitifs. C'est qu'en vrai, je vais mettre des descriptions sur les quêtes. Et du coup, bah en fait, ça, par contre, attention, ces descriptions-là sur les quêtes, elles seront en anglais. Donc il faudra. Pourquoi? Parce que l'anglais, déjà, bon,
si vous êtes dans le travail, dans la communauté du travail, c'est la une langue de business, c'est le, un langage de business, du business, et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je vais faire ça. Par contre, j'ai ajouté des petites images avec des quêtes, certaines quêtes ont des images, et voilà. C'est pour ça, donc pour montrer comment c'est des fois qu'on construit certaines structures. Voilà. Ah bah tiens. Ah bah, c'est pas dans notre champ par contre. Donc du coup, c'est pour les textes sur les quêtes, en fait, c'est que des fois il y a certains modes comme par exemple Maotsukai qui pour le coup le guide il est même pas assez complet. Donc il n'y a pas assez de cohérence là-dedans dans ce qu'on fait. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais en fait mettre du texte sur tout, en fait tout ce qui est les quêtes qui sont des modes reliés aux modes qui n'ont pas tant que ça qui sont pas tant que ça intuitifs et qui n'ont pas et qui en fait ne sont pas vraiment si facile à comprendre, bah je mettrai du texte pour vous aider. Comme ça, au moins, ça sera mieux. Déjà, ça sera bien. Il me reste juste à faire le logo. Et puis, bah voilà. Et puis voilà, bah voilà. Après, ce sera bon. Ouais, du coup, c'est bon. Hein? Après, ce sera bon. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire un logo. Bon, après. Le logo, je l'ai déjà, mais il faut juste que je trouve une manière de le modifier correctement. Il faut juste que je le modifie correctement. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais bon, là-dessus, bah, je vais continuer. Là-dessus, je pense qu'on va s'arrêter après avoir fini la première étape. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'en fait, là, je viens de revenir d'une journée qui était pas mal occupée. Donc, je suis un peu fatigué, mais bon, ça va. En vrai, ça va. Mais bon, je cherche pour un. Donc, voilà. Mais bon, je ferai quand même l'épisode. Je vais quand même vous faire l'épisode. Juste qu'il va falloir un petit peu de patience. Donc, voilà. Mais bon, avec la patience, on obtient toujours ce qu'on veut. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Ah oui, il y a aussi un autre truc. Sachez que il est fort probable, il est un peu probable que je mette la série Puissance Flator de côté en pause. Pourquoi? Parce que honnêtement, ça me tenterait de reprendre la série Assassin's Creed Valhalla. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, le problème des puissances flatteurs, c'est qu'en fait, ça peut prendre beaucoup de temps à récupérer tout le pollen, des fois certains ingrédients, faire certains trucs, les nouveaux accessoires et tout. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc honnêtement, je vous pose la question. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous voudriez qu'on reprenne Assassin's Creed Valhalla. En attendant, et après qu'on aura fini Assassin's Creed Valhalla, bah on continuera Puissance Simulator. Ça ne veut pas dire que je n'abandonne pas vraiment la série pour autant. C'est juste que honnêtement, j'aimerais bien reprendre, mettre la série en pause et en fait passer à autre chose en attendant. Et comme ça, au moins, ce serait un peu plus motivant parce que en vrai, oui, j'ai pris une grande pause. Mais après, en soi, voilà, j'ai envie de reprendre une autre série sur un autre jeu pour l'instant. J'aurais peut-être envie de reprendre une série sur un autre jeu pour l'instant. Mais je pense que très honnêtement, après que la vidéo sera publiée, ce que je ferai en fait, c'est que je vais regarder vos les choix dans les commentaires, les décisions qui seront prises dans les commentaires. Parce que comme ça, au moins, je peux me donner l'avantage, c'est qu'avec les commentaires de vous, c'est que je peux vous c'est qu'en fait, vous pouvez me donner votre avis. C'est ça l'avantage que j'ai pour avec les commentaires. Avec vous, c'est un avantage que j'ai avec vous. Donc voilà. Comme ça, je peux savoir à peu près comment vous voudriez
que le planning, comme ça, je peux m'assurer d'avoir un planning qui est à peu près respectable. Donc voilà. Bon, par contre, sachez que je ne peux, sachez que il se peut que je vous sorte, et qu'il se peut que je me mette à vous sortir une ou deux vidéos par semaine. Il y a certaines semaines où je ne pourrais pas vraiment sortir de vidéo. Ça, je pense que vous l'avez très facilement remarqué depuis plusieurs, depuis deux ans au moins. Ça, c'est parce que, ça, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne, dans une vidéo précédente, dans un épisode précédent. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais bon, soyez patients et je vous promettrai au moins une ou deux vidéos par semaine. Je promets rien. En vrai, je ne dis pas que je sortirai facilement deux vidéos par semaine. Donc voilà. Mais bon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que déjà il y a le temps qu'il me faut pour farmer sur, bah, mettons, Mission Simulator. Ah, maintenant, je vais tourner un épisode sur Mission Simulator. Bah là, il faut que je farme tous les items nécessaires à la réalisation de chacune des séquences. Donc du coup, pour la réalisation de chacune des séquences vidéo qui sera enregistrée. Donc là, et après il faut que je fasse le montage, et après il faut que je publie. Ça peut prendre une vidéo en moyenne, ça me prend, je dirais, environ 2 ou 3 heures. Surtout parce que déjà, Mission Simulator, déjà c'est un jeu sur Roblox qui prend un peu beaucoup de temps. Donc, des fois, il se peut que je sois pas vraiment si motivé que ça. Mais bon, après, c'est pas du tout un problème. Mais bon. Mais pour ceux qui veulent Assassin's Creed Valhalla, il se peut que... Enfin, pour ceux qui veulent qu'on continue Assassin's Creed Valhalla, il se peut que, après cet épisode, il se peut que je mette la série... Il sera possible que je mette la série Mission Simulator de côté, en pause un peu. Pourquoi? Parce que j'aurais envie de continuer la série Assassin's Creed Valhalla. Donc voilà, c'est juste pour ça. Juste parce qu'en fait, j'ai besoin d'un peu de motivation, mais sur un autre jeu, pour l'instant. Mais bon, après, je verrai ça après. Le temps après. Oh, mais t'es sérieux? Après, il reste 2 millions, bon, après ça va. Après, le pollen, on en récolte tellement facilement, donc c'est énorme. D'ailleurs, les 4 prochains items dans la boutique qui est là-bas, là, vous savez, la ceinture et les 2 épaulettes, en vrai, je pourrais aller chercher le nombre de biens nécessaires pour les crafter. Mais il y a un gros problème, et c'est le masque de miel. Demande 5 œufs en or. Ça, honnêtement, les œufs en or, ça, je vais les acheter avec des Robux. Pourquoi? Parce que déjà, bon, après, je peux aussi les acheter avec des tickets, mais attendez, si je le trouve. Voilà. Un œuf en or, c'est 100 tickets. On en a 371. Donc voilà. Eh, maintenant, on peut en acheter. 500 tickets, par contre, c'est un peu cher, mais avant, c'était pas là. Ah bah écoute, bon bah on vient de découvrir quelque chose. Bon bah écoutez, je viens de découvrir quelque chose. D'ailleurs, petite info, je vous prépare aussi une série de vidéos qui sera sur Dungeon Quest, sur Roblox, sur le jeu Dungeon Quest par contre. Et ce sera pour présenter tous les sets d'armure de guerriers et de magiciens de tier 3. C'est en fait les plus rares en fait. Donc en fait, ces sets d'armure là, c'est littéralement les plus rares sur le jeu. Par contre, je vous préviens, ça va prendre encore beaucoup de temps. Je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps parce que là, en fait, les armures en fait tier 3, je les ai pas tous encore au complet. Donc il faudra que vous patientiez. Je crois que ça va me prendre encore pas mal de temps avant de les avoir. Parce que déjà, il faut juste les obtenir. Et sachant que les items sont donnés, sont aléatoires. Donc voilà. Et ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps. Mais bon, après les armes légendaires, c'est pas un problème. Après, il y a la potion de luck, donc je peux.
peut me permettre d'avoir de payer beaucoup de temps. Mais bon, après en soi, oui, je pourrais essayer de les faire avec 100% de luck. Mais bon, après en soi, les trucs légendaires, les armes légendaires et les armures tier 3 sont déjà si rares que ça. Que dites-vous que pour l'armure divin, des guerriers divins et l'armure de magicien divin, ça m'a pris pas mal. Ça, je pense que ça m'a pris 2-3 semaines pour avoir les plastrons, les deux plastrons et les deux casques. Donc voilà, et ça date de. Ça provient, ces armures-là proviennent de l'île des pirates. Donc voilà. Je pense que vous avez peut-être compris. Donc cette série-là, ça va devoir encore attendre un peu. Mais bon, je vous en parle, parce que de toute façon, je prépare ça. Et je ferai. Et d'ailleurs, pour les deux, pour chacune en fait des vidéos que je, de ce genre de vidéos-là que je vous prépare, qui sont en préparation, c'est qu'en fait, dans les descriptions, il y aura un chapitre, il y aura une section de chapitre où vous pourrez aller voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, en fait, vous pourrez cliquer sur le chapitre qui est dédié sur le chapitre guerrier ou soit sur. En fait, il y aura un chapitre. Pour passer à l'endroit de mage au guerrier, ou soit à la présentation du guerrier avec une run, avec un donjon, et il y aura aussi pour le magicien, pour la tête d'armure de magicien, un donjon. Donc en fait, à chaque chapitre, vous pourrez aller voir ça en même temps. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est une idée qui m'est venue en tête. Donc du coup, bah après Dungeon Quest, ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu-là. Je crois que sur le jeu, j'ai environ 650 heures de jeu pour l'instant, je pense. Pourquoi un tel nom? Je pense que j'ai même plus. Je sais pas trop combien d'heures de jeu j'ai, et je sais pas s'il y a moyen de savoir dans le jeu combien d'heures de jeu on a. En tout cas, je pense que j'ai déjà dépassé avec les personnages, et je pense que j'ai déjà dépassé. Je pense que je suis proche des 1200 heures de jeu. Je crois que je suis très proche des 1200 heures de jeu. Faudrait que je voie ça. Mais bon, ça c'est l'idée que je me dis qui m'est venue en tête, et en fait, je pourrais en fait faire ça. Ouais. C'est encore un petit peu comme je l'ai dit. Bon, bah on a fini la première étape. Je pense qu'on va très clairement s'arrêter là-dessus. Oui, je sais que l'épisode sera un petit peu plus court de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Ça, c'est normal, c'est parce que aujourd'hui, après la journée que j'ai eue, j'étais un peu trop fatigué. Donc, j'étais revenu du boulot, de l'école, en étant un peu trop fatigué. Donc, voilà, c'est pour ça. Là-dessus, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à discuter en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on reprenne Assassin's Creed Valhalla, oui ou non. Mais moi, très honnêtement, je pense que je vais très sûrement reprendre et mettre la série sur la table de côté pour l'instant après la publication de cette vidéo. Ça veut pas dire que j'abandonne la série. C'est juste que pour l'instant, j'ai envie de passer un peu à autre chose. Pour l'instant. Donc voilà. Là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Évidemment, pour ceux qui... Et d'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous... Je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sinon, vous pouvez changer d'avis à tout moment. Donc voilà. Quand je dis changer d'avis à tout moment, vous pouvez aussi choisir de vous désabonner si vous avez plus ou envie. Mais bon, je vous conseille quand même de vous abonner parce que honnêtement, très prochainement, je vous réserve quand même des très bonnes vidéos. Après, je vous promets des bonnes vidéos prochainement. Donc voilà. Bref, là-dessus, je vous dis à très bientôt. C'est Lartin. Tchuss!